Marche mondiale pour le climat qui est suivie ici aussi en Guyane. Nous sommes place des Palmistes où environ une centaine de personnes sont venues manifester pour le climat. Je me trouve avec Harry Hautebourg, membre de la coalition Climat Guyane. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être venu manifester ? C'est important de manifester pour le climat parce que nous avons une planète en partage. Partout dans le monde, on se mobilise contre le changement climatique. C'est déjà notre cinquième marche à Cayenne et on ne va rien lâcher jusqu'à ce qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises contre les causes du dérèglement climatique. Alors vous avez fait une installation, vous avez mis un marquage bleu sur les arbres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond ? Oui, alors le ruban à 80 cm représente le niveau où l'eau sera probablement à Cayenne d'ici la fin de ce siècle, donc l'an 2100, si on ne fait rien. Alors, 80 cm, c'est peut-être pas beaucoup vu comme ça, mais en fait, tout Cayenne, et puis tout Rémy-au-Mont-Joly et tout Saint-Laurent sera sous les eaux et inhabitable si on ne fait rien. La marche pour le climat débute en ce moment même, place des Palmistes, va se terminer au Fort Sepérou, où des manifestants vont pouvoir prendre la parole pour s'exprimer. Des animations et des pique-niques sont prévus en début de soirée. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.